Right, mate, it's your new honey Comero and 100 promotional items. Mouses. No one wants jiggy mouses. All they want is bubbly chocolate. These are from Taiwan. Oh, lovely. Off your hands before you can say it. Cheerio. Honeycomb aero. All bubble, no squeak. Rock Chunk, a bloke big enough to eat chocolate by the slab. Then Christmas came early. Howdy, boys. As Rock devoured a block, they pounced. An evil plot hatched. Big Yorkie. Give us your Yorkie and your get up, they roared. Says who? He barked, chewing heroically. The mob defeated. Rock bit hugely and exploded emotionally. Whoa! Yorkie, demolish it, chunk by chunk. மனசுல இருக்கிறத சொல்லு சொல்லு தம்பி. ஹலோ மாமா, நெஞ்சில கைய வச்சு சொல்லு, அக்காவை எப்பவும் சந்தோஷமா வச்சுக்கணும். ரமேஷ், நெஸ்லே மஞ்சோட கிரஞ்சிங் அற்புதம், மனசுல இருக்கிறதெல்லாம் வெளியே வரும். Have you ever heard of a meteor bar before? Or a titan bar? Oh, this is broken. Next, please. Oh, cool. Look at that. An island bar. That's gotta be weird. Poppables. Now famous candy bars are bite sized. Abracadabra, new Hershey's milk chocolate with almonds in pieces. Your favorites in pieces. Sublime d'Onofrio. Mon papa il dit toujours on ne doit pas manger de mousse au chocolat avant de manger. Nestlé, une mousse forte en chocolat. Sinon tu trompes la confiance que tes parents ils ont mis à l'intérieur de toi. À table. Les desserts Nestlé c'est trop bon. In the very near future, someone somewhere will purchase a chocolate bar. The bar will be equipped with a GPS signaling device. When activated, it will beam a signal into space, bounce off a satellite, and return to Earth. This will alert a secret control room, who will scramble a crack team of highly trained individuals. They will board a helicopter, find the special bar, and give the owner £10,000. Cue girly scream. Find a special GPS bar of Kit Kat Aero or Yorkie, and we will find you with £10,000. Hola, bonjour, hello. This is Ms. Brown, Chief Chocolate Officer for M&M's. I've come to love the world's great museums, and now in New York, we're unveiling the Museum of Chocolate Art, or as I call it, Mocha. The exhibit is in Soho's Posh Gallery District, and because Mocha's only open until February 12th, I wanted to take you on a short tour of this sweet space. The gallery contains works showcasing how I helped make M&M's one of the world's best candies. I am truly humbled. All in chocolate are my trademark glasses, shoes, and glovelings, and a whole lot more. The creme de la creme is a life-size sculpture of me, carved out of 300 pounds of Mars milk chocolate. Talk about self-indulgence. If you're in Manhattan between now and February 12th, the museum is at 468 West Broadway. The exhibit is free and open to the public. If you love someone enough to give them your last Rolo,
this Valentine's Day, why not let us send it for you, anonymously? Oh, you're so sweet. I've always been strangely drawn to her. Who's the smartest smarty? Who's got what it takes to make it to the top? Will it be pink, or red, or yellow, or green? Will they be fazed by the maze? Will they fall foul of the milk chocolate aisles? Make it snappy! Who's got all the answers? Smarty! Why? Because only Smarties have the answers! Turbo, Jimbo, Jet Set. Üç deyince başlıyoruz. Bir, iki. Dikkat! Bahari uyandı. Kaçın! Yeni Totolar da geldi. Süper! Arkadaşlar, Toto'nun içinde yepyeni çok eğlenceli oyuncaklar var. Bol sütlü nefis Nesli çikolatasıyla yeni Toto süper! Introduce my pudding bars. Pudding? They're made with real Swiss Miss pudding frozen on a stick. So they're very creamy and very delicious and very, hard to keep around. My new pudding bars come in chocolate, vanilla, and my special chocolate-coated toffee bars. Toblerón, el mejor momento de tu día. There's nothing like a smile. Delicious milk chocolate. An evident kind of smile. Bright, happy colors. Open your hand and smile. Ugh, not another chocolate test. Woo! Cut it out, will you? Cut it out, will you? Can I have a little more off the left cheek? M&M's, it's all in the M. Whew, a little hot. Hey, can we turn the jacuzzi down a little? And I ordered a lemonade a while ago, like an hour. Search for the M&M's Lost Tribe Packs. There are three holidays and thousands of M&M's tribal cauldrons to be won. Wow, you look delicious today. Delicious? Honestly, sometimes I think you only like me because I'm an M&M's. That's not true. Maybe what matters to me most is what's on the inside. I'm pure milk chocolate on the inside. And I love that about you. And here I thought you loved me for my brain. Is that made of chocolate too? Gosh, you're handsome.
Aujourd'hui, nous allons prendre une pause. Une pause de Kit Kat. Mais pas avec n'importe quel Kit Kat. Des Kit Kat du Japon. En effet, voici deux sortes de biscuits qu'on ne trouve qu'au pays du soleil levant. Pourquoi ? Parce que selon une encyclopédie libre, le nom signifierait plus ou moins bonne chance, et ou que les Japonais ont aimé le goût chocolaté des versions internationales que nous connaissons. C'est alors que Nestlé a eu une super idée, fabriquer des Kit Kat spécifiques à chaque région du Japon suivant sa préfecture. Si vous allez à Shizuoka, vous trouverez des Kit Kat wasabi, à Hokkaido des Kit Kat à la patate, et à Fukushima des Kit Kat à l'uranium 235. Un peu comme si Nestlé fabriquait des Kit Kat pour chaque région de France, avec par exemple le Kit Kat de Bretagne au caramel et au beurre de micelle, ou bien un Kit Kat alsacien à la choucroute. Miam miam, j'en ai l'eau à la bouche. Et donc on m'a ramené ces deux saveurs de Kit Kat. Un aux agrumes, et l'autre au truc vert qui s'avère être, après moult interrogations, du thé vert de Kyoto. Mais je ne lisais ni le hiragana ni le kanji. Comme vous pouvez le constater, les Kit Kat sont emballés dans du carton, et non du papier aluminium comme en Occident. Histoire de bien faire hurler les écologistes. Sur chaque face de cette boîte, que des inscriptions que je ne peux pas lire, ça fait plaisir. Ceci dit, il y a une inscription en français. Société des produits Nestlé, société anonyme, youpi. Le plus intéressant est le dos de la boîte, où l'on peut écrire un doux message à celui à qui on veut donner ses douceurs. Par exemple, Konbawa, Suki, ou Watashi wa nata okirai, Watashi wa nata nikono biscotto ososhintsuru ninu jubuna damu gozen. Désolé pour les japonisants, Google Traduction me le sort comme ça. Bon, assez parlé du contenant, voyons le contenu. On va prendre celui aux agrumes, celui qui s'avère le plus appétissant. Donc on va l'ouvrir là. Voyons comment on l'ouvre. Alors, ouvrons-le. Et voilà, ils arrivent. Ah ! On s'aperçoit que les Kit Kat ne sont pas emballés par 4, mais par 2. Et si on vide la boîte, on s'aperçoit qu'il y en a 5. Donc, 5 x 2, 10 Kit Kat de taille mini. C'est plutôt surprenant, étant donné qu'en Occident, les Kit Kat sont deux fois plus longs. Allez, on va en ouvrir un. J'ai hâte de le mettre à ma bouche. Alors, oh, on peut même écrire sur le papier. Intéressant. J'espère qu'on n'est pas limité à 160 caractères. Bien. Donc on va l'ouvrir. Viens là. Ah, open. Allez, viens là. J'espère qu'il n'a pas été frelaté par le vol en avion. Allez. Et voilà, nous avons donc deux splendides Kit Kat orange. Allez, ah, saloperie. Voilà. Donc deux Kit Kat orange. Bien. Je vais donc en goûter un. Ceux à l'orange sont plutôt bons. En effet, on sent bien le goût d'agrumes, mais ça donne envie de les finir. Donc, une question me taraude. Monsieur Nestlé, pourquoi vous ne les importez pas en France ? Franchement. Bon, je vais quand même les finir parce que ce serait dommage de gâcher. C'est excellent. Donc, je vais peut-être les consommer lentement. Bien, nous allons voir maintenant celui au thé vert de Kyoto. Donc, nous allons... Alors, on va l'ouvrir aussi. Allez, viens là, toi. Allez, je veux te manger. C'est pas compliqué. Allez. Bon, je vais dire que Noël approche. Alors, là aussi, 5 paquets de 2 mini-biscuits. On va en ouvrir un. Tu es l'heureux élu. Eh oui. Donc, on va l'ouvrir. Viens là. Allez. Donc, aux agrumes, il est orange. Et au thé vert, il est, bien entendu, vert. Bien, on va tester. Autant je suis agréablement surpris par le goût du Kit Kat aux agrumes, autant celui-là, j'ai du mal à saisir l'intérêt.
il est à peu près aussi goûtu que le Kit Kat normal. Est-ce que ça vaut le coup de faire 5000 km juste pour amener des Kit Kat? Pour le thé vert, ça, j'en doute fort. Quoi qu'il en soit, vous venez de découvrir les Kit Kat du Japon. À vous les studios!